Dieu merci, nous sentons vraiment honorés à chaque fois que nous sommes là, nous voyons que nous-mêmes nous avons un privilège pour nous partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Le matin, nous avons le deuxième jour, cinquième mois de l'année, mois de la vocation, et qui invite nous, qui exhorte nous à marcher d'une manière digne de votre vocation. Et peut-être que nous pouvons référence à dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, cette parole-là, dis-nous, parole-là, exhortez-nous, que le capable de dire, nous correspondons à ça, et à peu près, fait nos injonctions, donc nous disons, je vous exhorte donc, moi, ce prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et ce d'abord, et de continuer, verset 1, non seulement pour recevoir vocation, mais adresser pour recevoir vocation, mais son vocation pour recevoir en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, avec humilité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, le lien de la paix, l'unité fraternelle, et dans un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Et bien aimé, et allez jusqu'à ce que vous venez dans verset 7 là, il dit, mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et là, regardez toute patience, toute particularité, tout ça que nous demandons dans vocation, maintenant, nous sentons pour nous dire, faites-vous distinguer. Et amen. Ça peut être pour un crayon pour marquer. Parce que vous avez plusieurs marques de distinction au regard des différentes personnalités à travers la Bible. Et première référence, nous, matin, nous venons dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8, côté la Bible, là, et première référence là pour vous et nous, dans 2 Rois chapitre 4 là, côté la Bible, pour parler nous, de une femme qui te fait distinguer. Il dit, la Bible dit, un jour Élisée passait à Shunem où il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, et se rendu chez elle pour manger. Et l'histoire va le raconter, femme distinction, une fois Élisée passa à Shunem, et le prophète l'a toujours passé dans Kaila, et il a toujours joué toute sorte moi invité qui pour nous donner la Kaila, et quelque monde qui a une vocation, et quelque monde, et quelque personne distinguée, eh bien, ou j'en tout qualité sa yo ka y fom nan. Et tout comme nous capable de dire Élisée te ka j'en ni ka yon nom de ou parce que et maintenant nous avons les bas yon chapé nan menou et des équilibres nan menou. Donc Élisée, je veux dire, il y a des hommes de distinction également. Non seulement fom nan te invité homme de Dieu à manger, mais tout, yo préparé yo chambre la caillou pour lui mettre cabane, table, siège, en pile respect. Parce que lui te dit ça à Marie, lui dit que quand il vient de la chambre, lui, yo voulait que yo traite homme de Dieu avec tout respect que ça m'a dit. Et bien aimé, histoire pour le raconter, Élisée, chaque fois lui, et lui disait, jouer côté pour faire la montée, homme de Dieu a couché en toute quiétude, en toute
et sagesse ça commander et c'est des prières pour faire s'il bien et bagaille pour préparer de table de chevet lui le puits lui et ouais la Bible comme la parle bénéficier à cause de une distinction qu'elle fait gagner à cause de vocation ça on peut pas bénéficier par cette bagaille non seulement et comme étant venu parler rapport avec le roi parce que il pas connaît dimension ça t'a faire mais puisqu'ils sont appelés puisqu'ils vont bagaille en dedans nous qui poussent à faire des gestes extraordinaires et bien comme pour gagner et le prophète là pour aller au côté il va poser une question il va dire que faire pour elle il devient serviteur de la vie avec lui qui va dire elle n'a point de fils et son mari est vieux et bagay ça va pousser pour cette là il dit à cette même époque le roi chapitre 4 verset 16 à cette même époque l'année prochaine mais comme notre algérie utilise ouais distinction ça permettait à la femme non seulement avoir une relation royale mais aussi un miracle allait être opéré en sa faveur verset 16 à cette même époque l'année prochaine tu auras un fils. Et bien aimé, lorsqu'on monde appelé, lorsqu'on monde qui est grâce bon Dieu, qui a une vocation à la caillou, il soit dit, cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Et c'est comme ça. Tout le monde n'a pas grandi. Tout le monde n'a levé dans la sagesse de Dieu. C'est ça qui puisse là. Même qui monte ça, même femme ça, non, même caille ça, qui monte pas tombé malade. Et qui monte là, la mouche. La femme n'est pas réveillée. Et lorsque Élisée, la venue pour faire la réalité, Kai Fomian, Kai Tsunamitan, l'homme de Dieu arrivé, et c'est là. Élisée arriva dans la maison, l'enfant était mort, couché sur son lit, dans même chambre ça. Il avait dit, Élisée, il va rentrer, il va fermer les portes là. Il va faire une prière, il va faire va-et-vient, il va faire un démon en l'air. Et Élisée s'éloigna ça et là, dans la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Et la mère allait se jeter à ses pieds, et prosterna contre terre. Et elle priait, soin de son fils et sortit. Mais bien aimé, lorsqu'on monde de distinction, ou son monde qui gon appel sur tes pieds, ou son monde choisi, ou son monde c'est rété ou pas rété, ou pas loin des miracles, ou pas loin des portes, ou pas loin, c'est pas pour sans raison que mon Dieu voyait thématique ça pour nous. Et lui dit, mais toute qualité que nous devons doter, que l'on son monde qui est appelé, l'on son monde qui a une vocation céleste, la caillou. Là, comme on te dit, il y a plusieurs personnalités à travers la Bible qui ont des vocations célestes, qui te font distinguer. Eh bien, là, il y a des apôtres, chapitre 9, verset 36 à 40. Là, il y a cette femme, cette histoire de Tabitha. Qui est fille d'Orcas,
en qualité de femme qui se faisait distinguer. Des monde maintenant qui se fait distinguer peut-être dans le marché, à la manufacture. Des monde qui se fait distinguer, excusez l'expression, hein, même dans la toilette, parce que dès que vous entrez dans le bus là, c'est où vous sortez dans le bâtiment, c'est où vous qui désordre comme ça, c'est où vous gagnez, comme ça. Mais, la histoire dans l'Acte des Apôtres, chapitre 9, et de Tabitha, comme ça, il était distingué lui, sa œuvre, de ce qu'on fait avec nous, qui a coupé à lui. La Bible dit que Dorcas faisait de la haute couture. Et elle, ça y est, tout le monde qui était côtoyé, lui, s'est bénéficié de ses services. Et lorsque Dorcas est tombé malade, et la mort a pas frappé à sa porte, tout le monde a pas dit, le Seigneur, il n'y a pas de cas comme ça. Il n'y a pas de ça. Et c'est comme ça. Mais il n'y a pas de temps de cassion. Il n'y a pas de exposition avec eux. Tout le monde a prié. Lorsque vous appelez, frères et sœurs, ou bien onction, mon Dieu, la cahier. La vie ou pas qu'à passer une attention. En plus, le monde, c'est. Mais oui, c'est vrai, dans une là. En plus, l'autre monde, a passé par là. En plus, l'autre monde, des cas. C'est vrai, nous avons rendez-vous avec la dame de la mort, c'est vrai. Mais dans le cas de Casla, nous nous dit, nous faut qu'on prenne pour accepter mon sang. Manifestation a fait, nous commençons à faire exposition aux œuvres comme non. Peut-être matin, ou pas qu'on est, si vous commencez et peut-être à chercher quelque chose qui peut faire, il dit l'autre, tu es là, l'autre est là, comment tu peux faire ça? Mais la Bible dit, viens comme non, tu parles de lui. Et c'est comme ça, bagaille la parole de Dieu, nos oreilles serviteurs, hommes du Dieu, ça, qui se pierre, les livres aller, les livrer, aussitôt que lui a plein de nouvelles là, il prend quelques bien-aimés avec lui, le débarquer dans la cité, puis arriver, puis accueillir. Et dans verset 31, chapitre 9, l'Église était en paix de toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Et dans les pieds arrivés, dans verset 36, et donc, lui rentrait, Pierre leva. Se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Qu'elle sortit tout le monde. Il était à genoux. Il priait, se tournant vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. La Bible dit, elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, il saisit et lui donna la main, fit lever. Et voilà, et bien aimé. Et tout le monde n'a pas accepté l'œuvre, comme on a parlé pour lui maintenant. L'inconscient qui distinguait. Et d'après le constat, Pierre, c'est Pierre, il dit Seigneur, entend les cris de ces femmes. Verset 39 à 43.
et de bon Dieu qui t'a de prière. Les que son monde qui font distinguer, lorsqu'on sont appelés, lorsqu'on monde qui a une vocation, la vie ou pas qu'à passer comme ça, la vie ou pas qu'à finir mal. Lorsqu'on monde qui distinguer, et vous, ou pas qu'à y monde, côté une contente de monde, a dit, monde ça tellement méchant, si nous t'avons tombé en ses corps, qu'il vient à la fraîche, ou aller le mettre dans le soleil. Lorsqu'on monde qui a des distinctions, qui a des vocations, pour qu'on ait un comportement, pour qu'on ait un comportement exemplaire, pour dire. Mais nous jouons, un peu plus tard, dans Daniel, chapitre 5, verset 11 à 14, la Bible va parler de l'esprit de Dieu qui était sous l'homme. Ça peut se qualifier pour montrer que cet homme n'était pas n'importe qui. C'est un homme qui fait l'esprit de Dieu dans lui. Et au travers de cet esprit qui l'animait, Daniel se faisait distinguer. Vocation, ça fait de Daniel un homme de distinction. Un homme remarquable. Un homme de chasse. À tel enseigne. Distinction, vocation, va faire le transporter Daniel. Après la guerre qui était dans la villa, il y a des films arrêtés. Daniel, on va louer. Non, non, ça. Des bagailles différentes. Et je ne viens pas traiter monsieur n'importe comment. Il le voit faire au songe. Il n'est pas qu'à interpréter. Mais je lui dis, mais il y a un homme qui a interprété. Depuis là, il y a une bagaille, des par vocation. Je vois dans lui un homme spécial, un homme extraordinaire, un homme puissant, extraordinaire, intelligent et sage. Je vois Dieu. Non, ça. Il y a des actions sur lui. Les qualités ou les valeurs qui accompagnaient la vie de Daniel traduisent en lui quelque sorte sa vocation. Ils l'ont automatiquement qualifié à être dans le palais royal. Est-ce qu'on a les qualités requises pour faire de vous une personne éligible? Une personne en vocation céleste. Une personne de distinction. Il y a pas mal de personnes à travers la Bible qui se sont fait distinguer. Dorcas se faisait distinguer. Déborah se fait distinguer. Daniel. Les jeunes. Samson. C'est un homme, la Bible dit qu'il c'est un Nazirien, un homme qui était bon appel, un homme choisi dans le ventre de sa mère. Eh bien, Samson va le faire dire, parce qu'il va le mettre sous le joug avec des étrangers. Samson va le faire dire vocation. Samson va le perdre dans l'un du sexe à la crème. Parce que la malédiction de Somme premier est tombée sur lui. Parce que la Somme premier, c'est lui qui a dit, et un homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Eh bien, c'est là Samson va le diminuer, et nous connaissons tout ça qui peut arriver, Samson. Et malgré tout, puisque Samson c'était un enfant de la promesse, ils sont monde qui était dans une distinction, même après tout ça qui est, Samson fait des miracles.
Donc, il y a des gens qui ont un groupe là avec vous, qui ont un livre avec vous, pas garder à l'eau. Parce que vous n'avez pas n'importe qui. C'est des gens qui ont des marques de discussion. C'est des gens qui ont un programme, mon Dieu. Pour se faire distinguer, il vous faut des valeurs morales et spirituelles aux yeux de tout le monde. Il faut des valeurs au bon fixe. Pour ce monde qui a fait des actions dignes, honorables, remarquables et même louables. Pour se faire distinguer dans la parole, pour y avoir ça dans le comportement, pour y avoir ce monde la vocation céleste, le comportement de témoigner ça. Donc la Bible montre-nous cette dynamite. Femme ça était une femme de distinction de par ses actions. Il y a été un fils ministre. Et quelques peuple choisi. Nous c'est le ministère mis à part, le ministère à vocation céleste. Cette marque de distinction doit accompagner votre vie et vos mœurs, mes amis. Nos actions, nos propos, nos réactions. Et c'est vrai qu'on puisse dire de vous que vous êtes vraiment du ministère de distinction. Vous êtes remarquable. Même la manière où saluer le monde, où côtoyer le monde, où traiter le monde avec le monde, faut le différence là. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 46, la Bible dit, si vous vous saluez, on vous dit bonjour. En quoi êtes-vous extraordinaire? Faites-vous remarquer à travers vos œuvres. Le moment arrive là, c'est vous, qui a fait le monde, ouais, que où ce monde mis à part, ou pas n'importe qui monde. Ou son serviteur mon Dieu. Et ça écrit dans Malachie. C'est pas pour se faire voir, pour faire de maturité. C'est vrai, nous sommes exposés à des mêmes situations. Et ça dépend de nous, ça dépend de qui marque de distinction, qui nous est. Et la Bible, nous tenons plusieurs patriarches de la Bible ont été des hommes et des femmes de distinction à travers des âges. Ils ont réussi leur vie à cause qu'ils étaient des personnes à vocation céleste. Là, on a difficulté, là, on a malheur. Bon Dieu, sauvez-vous. C'est là, nous, ouais. À travers les femmes tsunamites là, l'air dit, le vieux fait, c'est pour bagaille qui j'en ai perdu. Mais c'est pour bagaille qui font notre fait parce qu'il n'a pas tant de bagaille en retour. C'est tout bonnement parce que l'idée, le bagaille en donne qui pousse à faire de bonnes actions. Et Marie, le vieux. Pour faire la prononcer. Homme de Dieu a dit ça et ça fait bien. Et qui vient arriver, mourir, vous dire, rebâler encore. En plus de fois, nous avons appris des témoignages, un peu partout, sur plusieurs groupes. Il y a des bagages, vous dire, fait, c'est pour vous seulement le faire comme ça. Il n'est pas fait pour n'importe qui. Parce qu'on se monde à vocation céleste, on se monde qui font distinguer et donc bénéficier de ça. Faites-vous remarquer à travers vos œuvres. Même la salutation, salutation comme chrétien, c'est un coup son mot de passe. Il n'y a pas qu'à nous, bon Dieu, béni, pour répondre à la boule. Mon ami, le nous saluer,
Les monsieur m'a dit comment il y a on connaît dans jardin haïtien avec là n'a boulé monsieur dit non n'a béni. Donc même gens yon salye lot, le yon salye lot, yon betan wè, mak de di kretyon la kayou, a yab di avon, ah, sa se de kretyen. Se ne pot koto nan avyon nan bus, depo yon salye lot, yon betan wè. Paske yon son moun distingue, langaj ou diferent, salutasyon diferent, komportman diferent. Lò son moun ki gen mag de disection ou mon vocation, vos actes vont suivre. On peut se faire distinguer par votre savoir-faire, c'est ça que j'ai Dorcas. Dorcas savait coudre. Je dis à la manne pas tombé encore. L'heure de la manne a pris fin. Donc, fòk ou bon bagay nan men ou, fòk ou bon bagay ou kon fè pou bon Dje pran soin fwaye a, pou bon Dje beni fwaye a, pou beni moun a travèr en vou. Ou pa ka gen menm boutik la, menm antreprise la, nan vann menm bagay pou tout moun la vil la, ap fè machè noa, ap vann moun bay yo pito jite yo pourri. Se di ke bon Dje voye se vòt nan vin koto li fè pri ou fè pri ki moun yo gen gou. Et bon Dieu, bon boutique là, le bénil. Si tu crases malheureux à gagner, il vient ni koto, il tourne avec lui. Si mon yon était grand goût sous contour, et le bayo, pour lui faire verre, jeter le méchant. Donc, là, qu'on soit au monde qui est distinction, et nous sommes appelés qui ont vocation, ou pas qu'à agir même avec le monde, ou pas qu'à faire mato même avec le monde, faire marcher noir, faire faux mamite même avec tout le monde. Donc, si monsieur, dame, vous avez quelqu'un qui dit, qui te crache, qui te crache, vous avez caille, combien de pages, combien d'appartements, c'est là que vous avez là-dedans. Vous n'avez pas compte ça pour vous faire, vous n'avez pas loué. Qui n'ont pas d'idée, ça a vu dans la tête. C'est normal parce que c'est des mots à vocation, nous proposons fait là. Et bien, là, on est en difficulté, vous devez passer mes points. Vous devez en mort. Seulement, tellement qu'on est homme de Dieu qui est lié, les hommes qui nous ont mouru, ils vont aller, ils ont au coup de route, ils ont demandé comment ça y est. Ils disent tout le bagage très bien. Donc, lorsque ce monde a vocation, lorsque ce monde qu'il faut distinguer, nous sommes mis à part. Eh bien, les bagailles, les bon Dieu baouillon, c'est pour bénir le monde. Ce n'est pas pour humilier le monde, pour bâiller une mauvaise attitude. Nous-mêmes, matin, qui sommes là, qui sont plus ministres, avec le peu que vous avez écrasé, que vous avez dans mon lit, vous avez bâti les portes pour prendre l'initiative entre nous et bon Dieu pour bénir. Mais il faut que vous avez dans mon lit. J'ai dit à Moïse, c'est avec 20 jours que vous avez dans mon lit, utilisé pour faire perdre les brebis, c'est avec lui, vous avez servi pour faire rentrer Israël dans la terre promise. Maintenant, mon Dieu voulait à travers thématique ça, servir avec vous, servir avec son bien-aimé en l'an. Même des bagailles qu'on t'a considérées comme un rien. C'est des bagailles, mon Dieu parle servir pour t'amener à une autre dimension. Changer. Pasteur, côté nous marcher, Montréal. Monsieur son Congolais, monsieur dit, actuel président congolais, c'est Félix qui s'est dit, monsieur Tegonègue, qui te compte faire chez lui, on dit, mais, n'importe, monsieur Soukati, on fait chez lui, monsieur toujours bon, c'est le débat, il y a un peu de temps, peut-être lui, n'importe ça, parce que la joie, peut-être lui fait bouton. Et puis, il y a un contrat guinéen,
C'est-à-dire, quel que soit Jean Négrafé, cheveux bien fait, il n'y a pas senti rien. Je dis à monsieur arrivé président de la République, il va rechercher monsieur. Je dis à monsieur, il y a un gars qui dit quoi. C'est avec ça que nous, maintenant, la fait cheveux président. On est qu'à faire cheveux président. Et des fois, on est qu'à faire président, 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 on est qu'à faire président. Je dis à monsieur, c'est qu'il y a combien de scots de sécurité à cause du compte de cheveux. Je dis à la fait cheveux président. Donc, il faut qu'on ait un bagage dans la main. Mon appelé, mon élu, c'est avec ça que nous avons aidé, nous avons côtoyé, nous avons baillé le service, pour nous avons délivré. Tabaton, nous avons fait tout ça. Donc, maintenant, je voulais dire, nous-mêmes, qui c'est nous, qui des onctions sur vous, qui ont des valeurs. Vous faites, on sont force calme, on sont force agissante. On n'a pas agi. Pas penser que vous allez utiliser force pour faire. D'ailleurs, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est pas pour se faire voir, pour se calmer le corps. Parfois, vous pensez au camion revanchard. Donc, de par votre aide, de par votre paraître, ta manière de paraître, parfois change quelquefois l'atmosphère. Et bon, Jean Bouillet. Et pour finir, ouais, Marie, parmi toutes les personnes. Personnalité, nous avons fait mention qui vient de distinction à la caillou, qui vient d'onction. Nous avons Marie. Marie fut choisie de porter le Seigneur à cause de son humilité. Parmi les vertus, il fait bien quatre là, bah nous, qui pour nous gagner, lorsque ce monde qui distingue, lorsque ce monde qui vient d'onction, qui vient de vocation. Marie fait des qualités à cause. L'humilité, lui, à cause qu'il est une femme vêtue, à cause de sa pureté, à cause de sa distinction, le ciel l'a choisi pour être la mère de Jésus. Et jusqu'où il y a, Jean la Bible dit, des générations à parler de lui, des générations lui diront, peut-être une femme bienheureuse, une femme de distinction. Je dis à l'église qui prie, l'église au là dans Marie, presque au qui peut place bon Dieu, ou plus qu'en débat et mariage. Faites-vous distinguer. Maintenant, travail de distinction, ça a bien accompagné. Femme cananéenne, qui fait le distinguer. Daniel, qui fait le distinguer. Joseph s'est fait le distinguer. Je dis, thématique-là, rappelez-nous à la distinction, mes bien-aimés. Comme nous avons fait la mort, nous avons comment sortir à cause de sa distinction. Je dis, thématique-là, vie. Faites-vous distinguer. Faites des bagailles pour dire vous n'avez qu'à parler de vous. Pour le ciel, notre circonstance. Capable, pour le monde qui a côtoyé, capable de dire oui, cet homme, vraiment. Son monde, des distinctions. Là, dans la circonstance, dans le moment défavorable, même le ciel capable de dire cette femme, cet homme, il méritait une visite. Daniel s'est repositionné à cause de sa distinction. Joseph s'est dit ministre parce qu'il se faisait distinguer. Il était fait distinguer devant la femme de Potiphar. Ça va lui dire, Joseph pas dit Jean, il était qu'à profiter pour ses millions de dollars. Mais c'est faire distinguer. Par manque de modestie,
pas manque sagesse. Nous avons qu'à exploiter le moment Madame Potiphar, mais pas ta ministre. Il a perdu et il a gagné pour nous autres. Une personne de distinction, c'est une personne ayant des valeurs morales, spirituelles. Joseph, c'est un exemple. Maintenant, fais en sorte que au même tour, vous êtes capable de faire un exemple. Vous avez un homme qui a vocation céleste. Paul, qui t'a écrit correspondance là. Il t'a dit, je cours vers le but. C'est pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas pour qui ça va courir. Je ne sais pas pour qui ça va faire des sacrifices ou sous l'île de prière, sous toutes les prières, cap saler une l'autre, sous toutes les là. Maintenant, nous voulons Dieu. Faites-vous distinguer. C'est là nous quittons. C'est bon Dieu de nous.